Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de The Guild 2 dans lequel nous incarnons le baronnet Thiob Unio, maire en la ville de Bergen. Alors, ah oui, on avait construit comment ça s'appelle? Bâtiment d'agriculteur, je sais pas. Juste à côté d'un nid de voleurs, ça s'appelle comme ça. Un camp de voleurs, tant pour moi, le sang-froid nilois. Et on était en train de... Et j'avais ordonné la construction aussi d'une tour à... Ah, tirer juste devant. Parce que ce salaud, il m'a attaqué des charrettes, et j'ai pas aimé la blague. Ah ouais, non, j'ai vraiment pas aimé son sens de l'humour. Donc voilà. J'ai décidé de me venger. Et pour cela, je vais tout simplement attaquer son machin. Hein. Est-ce que je peux améliorer le bâtiment? Ça me coûte 10 000? Oui, absolument. On va faire venir nos... Je sais pas comment ça s'appelle. Nos brutes. Voilà. Tu es en train de prospérer le terrain, mon ami. Alors, attends, ok. Ah, tu vas construire une tour avec ça, ok. Pour tout simplement casser la gueule aux voleurs, hein. Faut pas déconner au bout d'un moment. Je peux pas porter plainte parce que j'ai pas de président du conseil municipal ici. Oui, mais il n'y a pas de place de machin, gna gna gna, donc on peut pas porter plainte. Oh, il n'y a pas de juge et on peut pas porter plainte. Je suis maire, c'est moi le juge, non? Ah merde. Oh, attends. Ah bah, voyez. Là, ils ont décidé de m'attaquer une charrette, ces couillons. Bah, ils vont perdre un petit peu en vie. Ah mince, ma mercenaire. Ouais, ma mercenaire, elle est pas encore assez forte. Mais voilà. Oh, lui, il a eu de la chance. Bon. Bah, après, on s'occupera de celui-là. Oh, c'est pas plus compliqué. Hein. Quand il y en a un qui fonctionne pas, on s'occupe de l'autre. Voilà, mais on va attendre. Quand il y en a un qui sera fait, je veux dire, on s'occupera de l'autre. Il en est où, lui, là? Il arrive un jour ou... Bon. Ouais, ils ont envoyé du monde pour essayer de le défendre, leur truc, mais bon. Les mecs, je vais juste vous dire un truc, hein. Lul. Oh, ils font partie de la dynastie machin, là, en plus. Ah, parfait. C'est la même ou c'est pas la même? Hors la loi. Ah, oh, bah, parfait. C'est pas grave. On va aller taper tous les campmodeurs. Là, ça va être l'épisode de tapage de camp de voleurs, faut pas déconner. Attends, je peux taper hors la loi? On va bientôt attendre. Non, on va attendre la tour d'artillerie. Par contre, l'autre qui a vraiment résisté à... Ah non, c'est ma deuxième tour. L'autre qui a vraiment résisté au coup d'artillerie, il est badass. Hein. Ok, elle est bientôt construite. C'est parfait. Et on va mettre fin au joug des filous, moi je vous le dis les gars. Mince, il est un peu trop planqué là. Oh, il a plus de vie lui. Oh. Un nouveau bâtiment vient d'être construit. On va se mettre là. On va attendre qu'il vienne piller un truc, ce couillon là. Le maire de la ville de Bergen, le maître de la guilde de Bergen. Parfait. Allez, sors donc, mon ami. Sors donc, on rigole un coup. J'ai envie de me taper une barre. Regarde, oh oui, regarde, t'as une charrette avec des pierres précieuses. Regarde, regarde, des pierres précieuses. Allez, 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 allez. Oh. Oh, 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 il a perdu ses cacahuètes. Oh, je suis triste. Oh, tiens. Je dois faire quelque chose au sujet de ces... J'ai un verger. Non, on va l'emmener là pour... fruits. Miel. Dans l'autre, on va faire un petit peu d'agriculture.
Alors? Vous êtes où, les mecs? Regardez, je me balade là sans défense. Oh là là. Je veux dire, on va leur taper dessus. Ah, il n'y a que eux qui passent, du coup. Hein. Forcément. Bénis soient ceux qui acceptent. C'est quoi ça? Pourquoi il y a un... Ok, il y a un petit bug visuel. Ouais, un sacré bug visuel. Hein. En plus, c'est dû à ça. Bon, on va vite le raser. Hein. Encore plus rapidement le raser. Alors, bah alors, bouge! Qu'est-ce que tu fais? On va aller saboter leur camp, là. C'est joli par ici, dis donc. Merde, faudra pas que ça foute le feu à mon truc juste à côté. Tic-tac, tic-tac. Ah non! Ah, c'est ballot ça, hein? Ah, faites gaffe, votre campement il est en train de cramer, hein. Chier. Comme je le dis, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et chez moi, ça refroidit très rapidement. Bon, même si mon bâtiment à côté il prend feu, c'est pas bien grave. Là, il perd tellement le. Il a tellement être amoché le machin. Que c'est tant mieux. Tiens, et si j'achetais un titre? Tiens, et si je n'achetais pas de titre? Oh putain, 80 000. Ah, fil de coco, c'est pas donné hein, tout ça. Hein. Bon. En tout cas, ils sortent plus, ils ont pas... Ils veulent plus sortir, ils ont perdu les cacao, leurs cacahuètes là. Le truc là il est en train de cramer comme pas possible. Allez là il y a des charrettes là qui demandent que à être... Elles demandent qu'à être pillées les charrettes là franchement. Il y en a plein, il y en a plein 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 plein. Ouais, tu veux le mettre. Regardez, il y a de la farine là, c'est trop bien. Il y a une charrette remplie de farine, quoi. Non, ça t'intéresse pas? Y a-t-il? Qu'est-ce qu'il fait là, le garde? Je ne sais plus quoi faire de ces rats. Pourquoi il... Oui, il passe là, lui. Il est vraiment pas en train de garder le commandement de voleur, quand même. Ah, bah non, ils ont éteint le feu. Zut, va falloir le rallumer. Capture de bâtiment. Non, dégâts insuffisants, merde. Attaque de bâtiment. Il est là, 6 ans à Londres. Pas intéressant. Un peu là, salut toi. La demande d'un comptoir. Je viens défendre mes hommes. Tiens, hop. Une brute en moins. Oh, un autre ici. Qui est-ce donc? Oh! Mais ne serait-ce pas un membre de la famille ennemie? Il me semble. Ce serait quand même dommage qu'il tombe sur une lame par pur hasard. Ah, ce serait quand même dommage. N'a pas le temps. J'ai pas le temps. Bon.
T'as de la chance, j'ai pas encore le temps de te tuer, mais ça viendra. Voilà, on va faire tomber leur bâtiment, en tout cas. Voilà, ça a repris le commerce, hein, là, on peut dire, là, d'un coup, là, il y a du... hop, il y a du... Il y a du trajet, hein. On va capturer leur bâtiment. Parfait. Ah bah il est mort l'autre. J'ai pas pu l'achever, c'est qu'il a dû mourir. Parfait. Voilà, on va se débarrasser des bâtiments. J'ai gagné de l'honneur impérial. Je sais pas comment. Bah alors. Capturer le bâtiment, les mecs. C'est qui ça là? Il y a un problème. En avant. Mettez le. On m'en fout. Ouais, capturez-moi ce bâtiment. Ça, on s'en fiche. Très bien. Bon, c'est compliqué apparemment de capturer le bâtiment là. Ouais, on agite les drapeaux, c'est bien. Ouais. Non, sérieux, il a commencé à se réparer en plus. Bon, on va le démolir. Comment ça, je peux pas le démolir et attaquer-le? Bon, d'accord. Bon, le bâtiment a l'air immunisé, je ne sais pas par quelle raison. C'était un 1v1 plus. Mais les péons, ils foutent rien, quoi. Ils sont en a à foutre. Bon, d'accord. Tiens, et puis la charrette d'ailleurs. On peut pas, on peut pas, on peut rien faire, c'est fou. Je sais pas pourquoi je peux pas prendre leur bâtiment là. Ah, ça a été presque, il a allumé le truc, il a failli l'acheter, mais il a pas. Ah, c'était encore plus près, peut-être que cette fois. Non, toujours pas. Bien entendu. C'est un délire ça. D'accord. Mais bien entendu. Bon bah apparemment on n'a pas le droit de... Ah ça y est, 10, on a balancé, miracle! Ah mais non, faut être persévérant, hein. Ce jeu, c'est un jeu de persévérance. Ah bah super, il y a d'autres qui arrivent. Ah bah tiens, il y a une Landgrave qui arrive. Pas de problème. Tiens, viens là. On va s'amuser, toi et moi. Faire bouffer la poussière et moi aussi, merde. Bon ça va, je bouffe moins la poussière vite. Mais je la mange quand même, elle est pas bonne la poussière. Voilà. Et on va l'achever, hein. Rien à foutre, hop. Vous venez de commettre un meurtre. Tu me veux, toi. Suivant. Ouais, bah suivant. Viens donc là, tu vas voir. Oh oh. Oh oh. Ok, je rigolais. Protégez-moi! Oh, ça s'est mal passé! Oh, ça s'est mal passé!
Heureusement que j'ai ma tour. Heureusement que j'ai mes brutes. Ça pue un peu quand même. Et si j'avais pas ma tour, ça serait vraiment compliqué là. Je devrais recruter de nouveau. Achève lui là. Voilà. Vous venez de commettre un meurtre. Rien à foutre. Allez. Une dynastie vient de disparaître. Éliminez vos concurrents. Voilà, et on a fait disparaître sa dynastie à la con. Bien joué. Ah bah alors. Ah, rigole moins maintenant, hein. Allez, essaye de capturer ce bâtiment. Non, il veut pas. Zut. Voilà, on a fait disparaître leur dynastie de voleurs. Je vais acheter ce bâtiment, je ne peux pas. Je l'aurais bien acheté pour le détruire, mais bon, c'est pas grave. Moi, là, je suis pas bien. Je me suis vaillamment battu, mais ça picote un petit peu quand même la goule. On va en profiter pour faire le tour des mines et mettre à vendre ce qui est, doit être vendu, on va dire. Et surtout, on va passer au... Ouais, ouais. Aller voir un médicus, là, parce que... C'est bon, lui, c'est bon, lui, c'est bon. Ce n'est pas toujours ah ouais, ouais, c'est moins la joie, là, d'un coup. Aussi bien la santé physique. Allez, un petit peu de rhétorique. Un peu d'exploitation, c'est bien. Chaque compétence, vous payez 7% de salaire de moins. Oh, c'est bien ça. Au moins que constitution miraculeuse. C'est bien constitution miraculeuse. Ça aurait peut-être pu m'aider. Ça aurait vraiment pu m'aider. Il y a des matières premières à vendre à un bon prix dans un comptoir. À Édimbourg, 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 Édimbourg. J'ai pas un bateau, Édimbourg. Tu parles, il est à peine. Non, il est même pas moins cher. Il y en a beaucoup, mais il est pas moins cher. Donc, inutile. Bon, moi j'ai bientôt fini ma sieste là. Hop, on va aller consulter un médicus parce que ça picote un peu le fiac. Voilà, Danzig, apparemment, c'est la ville la plus proche. Ah, la tour, ouais. La pauvre, elle a une jambe en moins. Mais comment ça se passe avec les gamins d'ailleurs? Salut, je veux pas me coucher. C'est bon. Je voulais regarder, je voulais voir s'ils avaient pas. Par pur hasard, des études à faire ou ce genre de choses. Alors la mairie de Danzig, est-ce que je peux acheter des choses? Forgeron, atelier de tissage, campement de voleurs, teinturé, ça. On va acheter la cabane de bûcheron. Oh, ça fait assez fort. Hein. Encore une fois. Hop, gérer le bâtiment, on va le faire comme d'habitude, vous avez... Hop, vous le savez, des apprentis suffiront. Tout le monde est bienvenu. Maximum à garder en bon état. Amélioration des bâtiments dès que possible. Ça, on vend. On achète nos charrettes à cheval. Un peu d'escorte. Et c'est parti. Voilà. Allez, on va faire le recrutement. Impeccable. Est-ce que vous avez d'autres choses à vendre? Un truc de pirate, rien à foutre. Un truc de voleur, rien à foutre. Ça, je m'en fous. La forge. On m'en fout aussi un peu maintenant. Bon, où tu sais qu'on est?
Elle est où l'hospice là? Elle est là. Ah non. Elle est où l'hospice? Pas d'hospice là? Bah si, une hospice, sinon ils y iraient pas. Bah. Elle est loin? Elle est où? Elle l'a foutu où? Bah merde. Et maintenant? Ah, elle est là. Ouais, bon, ça arrive de passer à côté quoi. Ils sont ralentis, hein. Wow. Ah, ça se voit pas au ralenti, par contre. Ah, pas feutré. Excusez-moi, je viens de me faire casser la goule. Est-ce que vous pourriez me soigner, s'il vous plaît? En plus, je suis censé m'être fait pas mal de potes. Là, j'ai quand même cassé la goule à des gens qui faisaient chier le monde. Bon, eux, voilà. Neutre avec beaucoup de gens, pacte de non-agression avec, avec eux, ouais. Ils sont que quelques ecchymoses. Oui, bah les ecchymoses, ça peut faire mal. Hein. Ça y est, elle est en forme, là, avec ses talons. Mais pourquoi elle se balade en talons? C'est pas compliqué de se battre en talons? Bonjour, on vient se faire soigner. Enfin, on vient se faire soigner. Bon. On vient Bon, escorter celui qui vient se faire soigner. Je crois que je suis malade, faites de votre mieux. Je crois que je me suis fait casser la gueule. Surtout. Un petit bandage, ce sera bien. Pour une égratignure? Ah bah tiens, tu vas voir, je vais t'égratigner comme on m'a égratigné, moi. Alors, c'était... Voilà. On n'est pas Et pourri. dès que le traitement est administré... Allez, on est en train de monter de niveau le... Béni soit Pas une ceux bonne qui nouvelle, ça. acceptent. Direction Londres. Direction Londres. En attendant qu'il fasse le trajet, on va voir si... j'ai des choses à acheter. Petite de tailleur. Fonderie, un fourneau. Boutique de charpentier, pourquoi pas. On va acheter, on va attendre le printemps 1412 et on va l'acheter. Vous venez d'acheter un bâtiment. Parfait. Hop. Votre enfant peut commencer un Ah, apprentissage. mon enfant peut commencer un apprentissage. Faut pas l'oublier ça. Non, non, hé. Non, c'est ça. Tac. Pourquoi... Attends, faut que j'améliore le bâtiment là parce que j'ai pas de. Je peux pas acheter les charrettes à cheval et ça me perturbe. Ouais, c'est où? C'est là? Votre enfant peut commencer un apprentissage. Voyons voir, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Arbre généalogique, lequel? C'est toi, Matt? J'ai Toto qui a fait... Ouais. Louis qui a fait ça. Et toi, Matt, tu vas être à la guilde des artisans. Voyons voir, est-ce que je peux acheter autre chose? Ça, c'est bien. Vous venez d'acheter un Hop, bâtiment. on va améliorer en boulangerie. Ça, c'est poubelle. On va gérer le bâtiment comme d'hab. Okay. 50% sur toute la carte, ça manuel. Voilà. Et je crois que je m'étais trompé quand j'avais fait la cabane de bûcheron, non? Ouais, voilà.
50%. J'achète un bâtiment, un apprentissage, et j'achète un bâtiment, oui, très bien. J'ai produit à vendre. Ah si, j'en ai... Ah, peut-être que les charrettes sont encore en chemin justement pour en vendre. Ouais, sont en chemin pour en vendre. Ce n'est pas toujours très bien, on est arrivé là. D'avoir à charge aussi bien la santé physique que morale d'autres Qu'est-ce que personnes. Tu me veux, toi? Qu'est-ce que tu fais à côté de mon bâtiment? Dégage. J'ai besoin d'un volontaire. Refoutre ici une bombe incendiaire. Puis-je aider? Oui. Tu peux aider. Alors, foutre le feu à ça, là. Ah. Si on regarde dans les listes de preuves. Oh, j'ai une chier là. Bon, moi aussi. Attaque d'un civil. Non, c'est pas un civil. Je suis pas d'accord avec le terme civil, c'était un malfrat. Pas de problème. Il y a le feu à leur bâtiment. Bon, on va attendre que ça crame gentiment, tout ça. Au niveau de l'agenda, on est comment? Oh! Qu'y a-t-il? Tu vas rentrer à Bergen, toi. Pas de problème. Mais je laisserai bien Quel est le problème? mes brutes ici. Très bien. Je vais laisser ici pour au cas où s'ils veulent attaquer mes charrettes, ça va les dissuader. On a fait arrêter numérique. Ils vont peut-être pas aimer la blague. Très bien, alors est-ce que j'ai d'autres choses à acheter? Je crois que j'ai fait le tour ici. Hein. Ah, j'ai une orfèvre, j'ai une auberge, tiens. Ah, je peux pas. Ah, bah, j'ai le nombre d'ateliers maximum. Je vais essayer de gagner un titre. Oh, c'est bien. Il y a Il un est rapide, problème. mine de rien. Il a gagné de la rapidité à force de se faire faucher les pattes. Hein. Maître de la ville de Bergen. Très bien. Et. Maître de guilde de pro. Oui, bon, ça va. Quoi maintenant? Mon agression à neutral. Ça me va. C'est eux, ça, non? Ouais. Voyons voir. Toi, carrément président de. Bah non. Bah non. Attends, qui? Lui? Oh non. T'as la lèpre en plus, c'est ça. Ouais. Mais je vais la foutre dehors avant le début du machin. D'avoir à charge aussi Avant bien le la début santé du physique vote. que morale d'autres Je vais en personnes. foutre une dehors, là je vais bannir quelqu'un, je vais le bannir. Soit lui faire de bien, soit lui faire les pattes. Bon, elles sont mes charrettes, là, elles ont vendu un jour. Où souhaitez-vous aller? Ouais, bon, celles-là, elles arrivent. Bon, ok, je vais avoir des ventes. Je vais pouvoir acheter un nouveau titre avec ça. L'offre spéciale d'un compte. Le comptoir. Hein. Parleur spécial, hein, du pain qui est même pas moins cher. Très bien. Achetez un nouveau titre. Vous désirez un titre de noblesse supérieure pour améliorer votre condition, n'est-ce pas? Le titre de baron coûte la bagatelle de 80 000 pièces d'or.
Qu'est-ce que vous en dites, Tiob? Je vais juste voir un truc. Je ne sais plus quoi faire de ces rats. Patrimoine 559 000. Un nouveau type. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire et je 564 000. Ah, ok, ouais, ça fait pas baisser le patrimoine. Et maintenant? Lui, il est bientôt arrivé. Comment que ça se passe? Ok. Une belle maison quand même. Elle est bientôt améliorée. On va passer devant et peut-être qu'elle va s'améliorer. Non, non. Je sais pas si je vais pouvoir l'agrandir, ça aussi. Je suis pas sûr d'avoir eu d'avoir plus de citoyens. Mais je vais pouvoir commencer à Un comptoir rachète du matériel de guerre. non. Mais peut-être pouvoir commencer à construire d'autres bâtiments Tu ici, dois par faire contre, c'est quelque ça qui me. chose au sujet Acquérir des des nouveaux droits. empereurs et Non. vite. Octroie un Félicitations. titre. Le conseil, dans sa Dans grande son infinie sagesse, sagesse. a décidé de vous octroyer. Et on récompense de service rendu au roi et à sa patrie, sa majesté l'empereur, a décidé que vous, maître Tiabuno, pouvez jouir d'un nouveau titre. Vous pourrez désormais vous faire appeler baron. Je suis un baron! Rien que ça! Je peux avoir 30 Un commerces! bâtiment vient d'être aménagé. Ah, vache! Et je viens d'avoir ma maison qui est améliorée. C'est très bien ça, on va faire des sauts. Hop, un petit coin sombre. Un espace de travail, il faudrait que j'améliore le reste. Mon grain n'est pas pourri. Voyons. Une teinturerie, mais j'ai toujours pas la personne adéquate. Voyons voir, qu'est-ce que j'ai pas ici? Je crois que j'ai un fourneau quelque part là-dedans, hein, non? J'ai pas fait construire un? Je sais même pas où. Là? Pâtisserie. J'ai pas s'il y a un estaminet ici, mais c'est pas le mien et je peux pas faire grand-chose là-dessus. Je pourrais faire des fonderies, tout ce qui est fonderie, etc. Vous savez quoi, on va essayer, hein. Il n'y a vraiment aucun emplacement, quoi. Oh, c'est triste, ça. Je peux ici, mais bah, j'en fous qu'un, quoi. Bah, je vais mettre une fonderie, hein. Qu'est-ce que tu veux? Ah, bah, je peux même pas. Faudrait que je démolisse des trucs là, cette maison par exemple. Je vais l'acheter, la vendre et on va voir si ça me fera de la place en plus. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Moi, ça me coûterait ça. 4 500, ah bah super. Charlatanisme. Rien de tel qu'une bonne bière. Bonjour, bonjour, je veux aller bannir quelqu'un s'il vous plaît. Elle. Au travail. L'ancienne mère. Ce n'est pas toujours facile d'avoir à charge aussi bien la santé physique que morale d'autres personnes. On va construire le bâtiment là qu'on avait vu tout à l'heure. Ça va partir en forgeron. On peut le créer au rang 2 direct. Ah, intéressant. Tiens, je vais faire attention. Interdit de venir ici. Vous interdit de venir ici. Vous n'êtes pas chez vous dans votre taverne. Oh, expérience plus 857. C'est une blague. Un bâtiment vient d'être aménagé. Ah oui. Y a-t-il? 30 plus 857, vraiment? Ah oh, bah oui. Oh. Oh, du culture mentor élément moteur
Main verte, robustesse. Ouais, c'est bien la robustesse. Hop, j'ai amélioré ce bâtiment. On va faire pareil, on va acheter des charrettes. Et ça va bientôt être l'heure de l'élection. Hein. Allez, on va voir. Oh, j'ai vraiment trop de pierres. Ouais, j'ai pas vu, j'ai un. J'ai vu un décès. Je vais peut-être changer. Hein. Je vais dire en ville. Parce qu'elles mettent trop de temps à faire des allers-retours, les charrettes, c'est pas bon. Mais ici aussi, j'ai perdu un. Ah, c'est dingue ça. En ville, pas le choix. Elles mettent beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de temps. Et voilà, elle est plus, elle peut plus se présenter au poste. Parfait. Je ne sais plus quoi faire de ces rats. On ira se bourrer la tronche après, hein. S'il n'y a que Ce ça. soir. Même pas boire? Ah, c'est pas ouf. Bon, bah, va là-bas. Il Faudrait quand même que je leur achète ça. Oui, il y a ça. Hop, il me fallait un peu plus de charrettes. Là. Il y a du commerce, hein, quand même. Ça commerce pas trop mal. Hein. Et maintenant? Je veux juste voir ton. Le patrimoine, il a encore vachement augmenté. Hein. Oui. Elle a été bannie, mais attends, attends. Elle a été bannie, mais elle se balade. Normalement, elle a pas le droit. Hein. Stop! Elle est pas censée se balader là, elle est censée. C'est pas elle qui était bannie en plus. C'est quand même chelou cette histoire. Allez, on va acheter la dernière charrette. Et maintenant? Un peu là. Qu'est-ce qu'il fait là, le bourreau? Ah, bah, elle a voulu venir, mais elle s'est fait arrêter. Oh, merde! Oh, c'est con, ça. Moi qui marre! Et il est mort de rire, lui, en mode, bah alors, t'es pas arrêté. Ah, merde! Ah, ça me met bien. Ouais, c'est vrai que t'as toujours le la lettre, hein. Ma pauvre. Aïe. Là, j'y vais, mes gosses. Onze ans. Bientôt, Toto, bientôt, tu seras un lettré.
Elle est en pleine étude, je crois. Je ne sais plus quoi Allez, ça faire a de bientôt ce commencé. corps. Demain, c'est des mouches qui se baladent au-dessus de ma femme. C'est pas mon signe, ça. Calmons-nous un peu et commençons la séance du jour. Passons maintenant au débat sur la charge suivante. Le chevalet du premier tortionnaire. Le chevalet du Les premier personnes suivantes tortionnaire. postulent à une charge de... Les personnes suivantes peuvent voter. Prenez un peu de temps pour y réfléchir. Qui veut me J'ai rincer? été des plus impressionnés par votre choix de sujet de conversation. Nous allons maintenant voter cette requête. On va voter pour Linnea Kelson. Elle est âgée et elle fait pas partie d'une dynastie. Je détiens les résultats de l'élection. Nous avons un nouveau conseiller. Félicitations. Je vous remercie de votre confiance. Honorables membres du conseil, ainsi se termine la séance du jour. Je vous remercie de votre Une séance attention. courte mais efficace. Bon, pas pour moi. Quoique après, je reconduis mes... Oh, c'est, il a fini. Bien joué, Toto. Bien joué, Matt. Je reconduis mon mandat, moi, c'est ça qui est bien. Là, je peux toujours Avec pas parce que plaisir. pas assez d'habitants. Voyons voir. On va acheter ça et on va voir ce qu'on va pouvoir en faire. Donc, hop, achat de bâtiment, oui. Vous venez d'acheter un bâtiment. Et raser le bâtiment. Elle, est-ce qu'elle peut C'est comme consulter le si c'était médicus? fait. Non. Oh la vache. Ça fait quand même un sacré paquet de pierres à vendre. Hein. Il y en a du caillou. Hein. On va se mettre bien avec tout ça. Hein. Hop. Voyons voir. Est-ce qu'on peut mettre un forgeron? Pas l'impression. Bon, on va mettre le forgeron ici. Juste à côté de l'arsenal. Ça pourra toujours servir, on sait jamais. Là, pendant que les pierres se vident petit à petit, on va voir. Mais oui, il n'y avait pas de cabane de travailleurs ici avant. Ouais, il n'y en avait pas. Hein. Là, tout ça, il faudrait que j'arrive à les... Ouais, j'arrive à faire un petit piège à cette dynastie là, il lui a racheté tout. Ça pourrait être très intéressant ça. Améliorer ça. Ah, j'ai pas les droits nécessaires. Ah zut. Ouh. Toi, tu vas faire de la rhétorique. Mon grain n'est pas pourri. Je peux pas en construire ici. Hein. Je peux... Oh, oh oui, ça a été vendu là. En vrai, pourtant, il y a de la place. Hein. On va voir une fois ça parti, peut-être que. Dommage, dommage. Bon bah ça, je pense que je peux pas mettre les deux. Hein. Non. Pas de place ici. Hein. La maison, je pourrais la détruire, celle-là. Il y a autre chose à vendre, à acheter, à détruire, machin, là, à part le pub là. Est-ce que je peux y foutre le feu au pub histoire de le démolir un coup? J'écoute. J'en sais rien. Alors, objectif maintenant, vous allez aller là, vous. Et vous allez essayer d'intercepter je peux l'engager dans quoi?
Ouais. Et on va essayer d'intercepter la dynastie, là, cette dynastie-là. La demande d'un comptoir est terminée. Un accord vient d'être convenu, entraînant l'application de nouveaux droits sous cette charte. Progresser de manière convenable, maintenant c'est une ville. Danzig. Ils nous font de l'ombre. On va peut-être sortir de là, toi, mon ami. Au bout d'un moment, quand même. Tiens, ici, tu allais travailler à la pâtisserie. Faire. J'en sais rien, moi, fait des trucs. Y'a rien. C'est la dèche. Bah, va travailler quelque part, quoi. Je sais pas après. Y'a un bailleur de fond. Ah ouais. Guilde des lettrés de Danzig. Oh, on s'en fout de Danzig. Je peux pas faire un mini bâtiment là, un petit truc, même pas très. Je peux pas faire des staminés. Faire bon, tout ça, non. Une briqueterie, tiens, j'ai pas de briqueterie ici. Un atelier de tissage, c'est petit, non? Ah non, c'est pas petit. Oula. T'es clairement pas petit. On peut rien faire ici, c'est terrible. Oh, une mine, ok, je comprends. Les lettrés. On peut rien faire ici, c'est. Un nouveau bâtiment vient d'être construit. Un entrepôt, je peux faire un entrepôt. Oh, super. Oui, j'ai fait ma forge. Bah, gérer le bâtiment, hop, le joueur. Vous pouvez reprendre vos études. Vous pourrez reprendre vos études. Attends, faut que je regarde ça. Je vois pas qui doit reprendre ses études. Non, c'est pas là, c'est là. Qui ça? Toto, tu peux reprendre tes études, toi? Tiens. Vous avez un cadeau pour moi. On voit à la faculté. Oh bah oui. Allons à la faculté, mon ami. Un diplôme universitaire n'est pas donné à tout le monde à cette époque, mais c'est un investissement qui vaut la peine. Cette faculté dispense des connaissances qui permettront à notre descendance d'effectuer une brillante carrière après son obtention. Très bien. Quelque chose au sujet de ces rongeurs. Et vite. Oh. Je peux faire une maison de campagne. Quand j'aurai un peu d'or. Un accord vient d'être convenu, entraînant l'application de nouveaux droits. Ceci ne doit pas apparaître à l'écran. Ah merde, c'est une capitale impériale. Aïe aïe aïe. Elle a bien grandi. Hein. Allez, on va se laisser là-dessus pour l'épisode d'aujourd'hui. Hein. J'espère qu'il vous aura plu. On aura déjà décimé une dynastie. Enfin, fait disparaître une dynastie. Et je compte pas m'arrêter comme ça. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, je vous dis à très bientôt, c'était Tiob. Allez, ciao.